Alors là, nous revoici pour un vlog. Là, on est jeudi. Je suis en train de me préparer. J'essaye de me faire belle parce que demain, je pars au Portugal. Franchement, je suis trop contente. Mon copain m'a fait une surprise. Il a dead ça. Mais il a dead ça. Faites pas attention à ma tête. Mais je suis censée mettre des soft locks rouges. J'espère que ça va m'aller. Il faut que j'arrive à coiffer tout ça. Cette tignasse là. Voilà, je sais pas si on voit bien. Il faut que j'arrive à faire des nattes symétriques. Parce que j'ai pas de miroir pour voir derrière. Mais bon, c'est pas grave. J'espère que ça va m'aller. Donc voilà, gros bisous. Donc voilà, je suis bien arrivée au Portugal. Là, je suis à Lisbonne, devant l'hôtel. On a déposé nos bagages et en fait, on pourra accéder à la chambre à partir de 14h. Bon, c'est un peu dommage parce que je comptais me doucher, me faire un peu jolie, tout ça. Mais bon, j'y vais comme ça et après, je rentrerai pour me préparer. Bon, là, on va un petit peu se promener. Mais c'est trop beau! À la base, on voulait aller bruncher, mais je me suis trompée d'adresse. Vraiment, je fous la rage. C'est quoi? C'est quoi? C'est du poulet ou de l'ananas? Poulet et ananas. Non, c'est pas grave, on fout moi. Ça a l'air bon. Oh! Ah ouais, t'as raison, c'est vraiment... T'as compris? Ah, je voyais pas ça comme ça, tu vois. Regardez mon plat. Comme d'hab, moi je tue ça. Et il a fait... Ça te fait rire. Il a pris des chips. Bon appétit. Oh, tu rigoles? T'aimes bien? Attention. On y va. J'aime bien. Oh, c'est trop sympa. C'est sympathique. C'est qui que t'imites là? C'est ma petite femme que j'aime bien. Ouais. Be quiet, je fais mon room tour. Alors du coup, nous avons des petits tableaux sympas. Une télé. Par contre, on regarde pas le match, je te le dis direct. Non, franchement, c'est bien, j'aime bien. Là, je peux inviter mes copines en vrai. Il y a un truc pour boire le thé. Nous avons un beau miroir où je vais faire des photos avant de... En plus, c'est une belle luminosité, je suis habillée comme un plouc, faites pas attention. J'aime bien. Avec bruit de bottines, elles m'ont saoulé mes bottes. Waouh! Sympa! J'aime beaucoup. C'est propre. Franchement, moi j'aime bien. Ouh, il y a même un bidet. C'est le luxe. On pourra se laver le fiac. Et du coup, là en ce moment, je suis en train de faire une cure là. Pour que mes ongles repoussent. Donc pas de faux ongles. Donc là en ce moment, j'ai rien sur mes ongles. Et ça me frustre parce que moi mes ongles ils sont toujours faits. Donc j'ai acheté ça à Primark. Et ça à Amazon. Chez Amazon, je sais pas comment on dit. Et franchement, ça j'ai déjà essayé l'autre jour, c'était trop beau parce que je les ai limés et tout. Mais là j'ai oublié ma lime à ongles, donc je pense que je vais mettre cela. Là je vais essayer de me faire belle parce que je me suis bien reposée, voilà, j'ai profité de la douche etc et tout et tout. Donc voilà, là on va essayer d'aller dans un rooftop à Lisbonne. Voilà, je connais pas, j'espère que ça sera beau, j'espère que ce sera bon surtout parce que nous on préfère que ce soit bon que ce soit beau. Donc voilà mon look, mes longues soft locks.
J'aime beaucoup. Et vous? Cette fois-ci, c'est pas loupé. Il a dead ça. Moi, franchement, c'est bon, mais la scène, elle est mieux. Ils ont mis un tas de jambon et tout. Ça dégouline. Mais dis-moi, bon dia, ça veut pas dire une heure. Bonjour. Oh. Bon dia, bon dia. Ah. Mm-hmm. Faut que tu apprennes à me filmer parce qu'on va percer. On va percer, donc tu filmes ta petite copine, voilà. En plus, je regarde maintenant, à force de sortir avec toi, je parle comme toi. Allez, go. C'est où? Vas-y, va demander avec ton portugais. Vas-y, va demander. Bon dia. Vas-y. Mais tu crois que je parle anglais ou quoi? Ouais. C'est bizarre, tu comprends mieux que moi. Je comprends un peu, mais je parle archi bien anglais. Mais ouais, c'est là, ça sent les omelettes. Déjà, j'aime trop le chocolat au lait. Alors ici, ils m'ont donné du chocolat en poudre Nestlé. Ça a l'air trop bon. Hop. Et du bon lait. Je suis tellement maladroite. Ça va, j'ai pas renversé. Hello, c'est encore moi. Alors là, je vais me faire une bonne douche. J'ai dormi pendant une heure et j'étais en train d'avancer sur un montage pour sortir ma vidéo de dimanche. C'est une story time. Donc voilà, comme ça demain je me réveille, je poste la vidéo et je touche plus à mon ordi. Je suis trop contente. J'ai cru que la femme de ménage, elle m'avait volé mon fond de teint. C'est abusé d'accuser les gens comme ça. Vraiment, moi je suis trop ce genre de personne. Si je trouve pas, c'est quelqu'un. Direct, j'ai pas le temps. Ça, c'est les gens qui ont beaucoup de frères et sœurs. Quand ton haut il a disparu, quand ta chemise ou ton veston a disparu, on sait que c'est sa sœur. Même si c'était moi la plus jeune, c'est moi qui voulais tous les vêtements à ma sœur. Mais quand même, là vraiment, jusqu'à accuser la femme de ménage, c'est fort. Carrément, j'ai appelé Karl, je lui ai dit Karl, la femme de ménage, elle a volé mon fond de teint. Il a rigolé, il a dit mais c'est impossible, wesh. Toutes les affaires étaient là et rien n'a disparu. C'est ça qu'elle va voler. J'avoue quand même, c'est... J'ai tellement la haine. J'ai trop la rage. Déjà, j'ai oublié mes fossiles. J'ai oublié le truc là pour ma chicha là. Pour allumer mes charbons. Je voulais me fumer une petite chimbi tranquille le soir en rentrant. Maintenant, ça va pas être possible quoi. Parce que j'oublie toujours quelque chose. Toujours. En plus, d'habitude, je fais une to-do list. Mais là, je me suis dit non, Darlene, crois en toi. Crois en toi, tu vas pas oublier, t'es une grande fille. Voilà, t'es en âge où ça y est. Et bah si, j'ai oublié quelque chose. Donc voilà. Alors, c'est moi qui conduis et Karl il est hyper stressé. Je peux le comprendre. Mais moi je suis pas trop stressée parce qu'en fait, la caution elle est pas sur ma carte. Donc ça va. Go go go! Ah, non, on est sorti de là-bas. C'est trop mignon, j'aime trop. Bon, en fait, on est au même endroit qu'hier, mais en fait, je reconnais pas parce que là, il fait jour. Ah, si, c'est bon, on était là. On a mangé là. Ouais. Bah, du coup, c'est là. On m'a conseillé d'aller manger là. Ça va comment? Alors là, les gars, on mange debout. Mais c'est trop bon. Tu veux un bout? Ouais.
genre les problèmes avec le riz, la mayonnaise, les frites. Oh merde, je suis désolé. Sérieux, donc tu en reste un. Tiens. Il est bien fait avec le riz et tout. Tu fais plus tomber, hein. Sinon, moi je t'en donne plus. Il est tellement bon. Le riz est bon. Le riz est bon, il est fumé, il va fumer. 30 euros là, ça l'est bon. Ah ouais, c'est une bonne assiette, copieuse. Tu regrettes d'avoir pris ça ou pas? Non. Ça va parce que tu manges avec moi. Écoutez, je laisse une fameuse. Je la viande. Attends, t'es en train de dire que un hamburger c'est mieux que. Pour moi, ouais. T'es comme les enfants, toi. Maman, maman, ce soir on peut manger des hamburgers. Oui, d'accord. Oui. Ça doit, tu fais ça, toi. Moi, quand je mange des bonnes assiettes comme ça, je ris. C'est là, je suis heureuse. T'es concentré, hein? Là-bas, c'est comme un jeu d'enfant. Hein. Go au petit déjeuner. Pas assez. Ouais. Donc voilà, on reviendra. Alors, on mange là? C'est cher ou je rêve? C'est normal que je dise que ce soit cher, j'ai regardé ça. Ouais. 140 euros. Go, go, go. T'es timide là? Hein? T'es timide? Ouais, je suis timide. Quelqu'un de réservé. C'est peut-être que tu fais quand t'es timide. Hmm? C'est peut-être que tu fais quand t'es timide. Ouais. Okay. Là, je suis timide là. Ok, mais toi, tout le monde sait. Ouais. Je vais te babler, Comment? Je vais te babler. Oui. Non. On a mangé pratiquement que dans cette rue. Ouais. On s'est régalé. Toute la rue, on l'a fait toute la rue. C'était magnifique. Blague à part, on a trop bien mangé. Il y a plein de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire. Donc voilà, on reviendra.